bienvenue à tous, et en ce moment sur Twitch, nous sommes sur Zelda Breath of the Wild. Et je pense bien que nous allons rester sur ce jeu pendant un très long moment, en tout cas jusqu'à ce que Fallout 76 sorte. Dans tous les cas, je compte découper mes lives en vidéo de 45 minutes à peu près, comme d'habitude, et je pense en poster une à deux par semaine. Les vidéos étant assez grosses, il me faut un peu de temps pour les éditer et faire les rendus. Dans tous les cas, j'espère que vous aimerez cette nouvelle série. A noter que je ne connais strictement rien du jeu, j'ai vu simplement les trailers à l'époque quand il était sorti. Donc ça va être une pure découverte pour moi, mais bien entendu j'aurai quelques aides avec le chat de Twitch. En parlant de Twitch, si vous êtes intéressé de rejoindre cette aventure en direct, je vous invite bien sûr à regarder dans la description, il y a tous les liens pour la chaîne. Dernière note avant que je vous laisse, ce n'est pas exactement la Wii U, c'est un émulateur de Wii U. Donc si des gens sont intéressés, laissez-moi dans les commentaires et je ferai possiblement une vidéo sur comment utiliser l'émulateur. Sur ce, place à la découverte du dernier Zelda. Ok, on va se lancer. Les amiibo, c'est pas les figurines qu'il faut collecter ou je sais pas quoi. En tout cas... C'est quoi le mode expert? Je sais pas ce que c'est le mode expert. On verra ça plus tard, j'ai pas envie de faire expert. On va voir. Ce qui est avec mon Hunter, c'est qu'on n'accroche généralement pas avant 50 heures de jeu, même voire 100. Le meilleur vient quand tu comprends le jeu. Ouais, c'est vrai que j'y ai joué pas mal, mais j'ai pas assez joué peut-être pour l'aimer. En tout cas, let's go! Oui, nouvelle partie. Wouh! Nintendo présente The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Salut Saphir, bienvenue. Ouvre les yeux. Qui me parle? Réveille-toi. Plateau du prélude. Ça a bien changé les Zelda quand même. Hein. Saute pas, non mais quand même, je vais pas sauter. Hein. Ah. Qu'est-ce que c'est ça ? Branches d'arbres, tu vas trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci, très agréable. Manier, tu peux... C'est pas des... coquilles ? Moko, Moki, je sais plus les noms. On pouvait en foutre le feu à ces bouts de bois. Faudrait dire le pousse souvent très vain, il restera l'énergie vitale une fois consommée. Ok, donc on a de la nourriture aussi. Ah, ok, cool. Yes. On peut charger. Yes, ça tue. Les champi. Changer et maintenir, ouais, ok. Tac, tac, tac. Ah, il s'accroche partout en fait. Waouh! C'est. Il est agile maintenant, Link, hein. Let's go. Sauf au donjon. Ouais, j'imagine bien. Une pomme grillée. Pomme grillée directement en fluff et à parfait. Petit encas. Et restaure l'énergie vitale. Ah, c'est la mienne maintenant. Il y a assez de pommes pour deux par ici. Elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Qui es-tu? On peut lui demander. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi, c'est plutôt rare, je dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps, un vieil homme un peu fantasque. Un peu fantasque? Oula. Garde tes vêtements bien fermés, toi. Et toi, jeune homme, que viens-tu chercher ici? Où sommes-nous? Réponds pas.
Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque fait vraiment perdre mes repères et on est tellement rebelles. Mais tu me plais, jeune homme. Notre rencontre, c'est sûrement pas le fruit du hasard. Ah ah, le fruit du hasard, pomme grillée. Ah ah ah. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau de Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule, à ce qu'on raconte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? On trouve un temple. Ah, c'est pas le temple du temps. Plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis déjà 100 ans, il est en ruine, même que le royaume tout entier. Donc ça veut dire qu'on est au château là. Enfin, ce qu'il en reste. C'est plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Ouais, mais donne-moi ton nom. Je suis sûr que tu. Reste ici un peu au moment de régaler les pommes grillées. C'est une bonne sang, passer les flammes et encore une sang comme ça. Ok. Je vais rester un petit moment. Ok, bon, ouais, casse-toi alors. Je veux que tu. Ouh! Une torche! Allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, tout au moins. Ou tout du moins, jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Qu'est-ce que t'as en faire? Bah, je sais pas ce que je vais en faire. Jouer avec le feu? Jouer avec le feu. Mais tu es un vrai danger public. Prends garde à ne pas brûler la forêt entière. La végétation s'enflamme vite. On peut brûler la forêt? Cela dit, c'est pas mal. Il y a pas mal de monstres dans les environs. Ça pourrait faire une arme intéressante, qui sait. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens sans réfléchir. Il faut jauger son adversaire. Évaluer les distances. Ok, cibler. Yes, okay. Ok, donc ça c'est. On peut sauter? Ah yes! Okay, ah. Wouhou! Alors, on avait dit les armes c'est là. Ok. Et pour allumer, je vais près du feu. Oh! Ok, ça s'allume automatiquement, ça marche. Ah! Ah, ça c'est mieux! Bah, c'est mieux quand même. Ah, c'est lent. Link. Link. Oui. Dirige-toi vers le lieu que t'indique la carte de la tablette Sheikah. Guidé par la tablette, plateau de prélude. Une jolie voix de femme. On sait, s'il faut, c'est un homme, on sait pas. C'est quoi? Souvenir, guider, sacoche. Toc, 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 toc. Ok. Ah, j'ai une Game Boy Pocket. Sanctuaire de la Renaissance. Ah, on peut se téléporter. Guidé par la tablette. Ok. Nouvel objectif. Yes, ok, ça marche. Bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins on est lâché dans le jeu directement, hein, au lieu d'avoir des heures de texte. Oh, oh. Ah, pas ça. Réflexe Dark Souls. Ah, on peut sauter et taper, ça tue. Trop simple. Corne de Bokoblin. Cette corne te donnera rien de bon en cuisine, mais peut-être cuite avec une grenouille. Quoi? Mais peut-être cuite avec une grenouille, un insecte ou un lézard pour en faire un remède. D'accord, okay, ça a du sens. Lancer une arme, brandir, lancer. Attends, quoi? Merde. Ah, yeah, 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 ok, ok. Ah, sympa. Sympa. Sympatoche. Oh, putain. Réflexe à la con. T'es quoi, toi?
J'ai pas un Pokédex pour me dire ce que c'est. Dieu! On raconte que cette masse souple qui ressemble à un tchutchu est si instable qu'il suffit d'un simple stimulus pour qu'elle se transforme. Mon inventaire est infini. D'accord. On peut tout transporter. Y a pas, ça c'est bien ça. On peut s'infiltrer. Oh putain, non, ça va être trop long. Non, on va combattre. C'est trop long. Ah! Je... Ah oh, l'esquive foncée. C'est quoi ça? Éviter les attaques d'un saut arrière derrière moment, pourquoi? Putain, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Un cruiser par d'innombrables repas reste assez solide. Faites le cuir avec une grenouille. Encore, ok, d'accord. C'était quoi cette action? C'était classe! Tape les arbres, pourquoi? Ah là, les pommes! Oh, bien vu. Pomme, pomme, merde! Pomme. Ah non! Ah non! Ah non! Il n'y a pas ça dans le jeu! Me dis pas qu'il y a ça dans le jeu quand même! Merde! Ah! Yeah. Où est-ce qu'on voit la durabilité en fait? Où est-ce qu'on voit la durabilité? Je t'ai annulé, non? Ça nous le dit pas? Pomme! La pomme, je l'ai fait valser. Une pomme. On la voit pas. Ah, merde. Oh, on va devoir changer d'arme à chaque fois, en fait. Je suis pas super fan des armes qui se cassent, mais bon. On va faire avec. Vas-y, dernier. Allez, vas-y, j'esquive. Loupé, ok. Ah, merde! Oh! Ah! Le gameplay est cool. Yep. Le gameplay est super cool. Ouvrir. Pantalon ilien. Ça donne envie. Non, allez, on va là-bas. Je veux voir le temple. Je veux voir le temple. Frappe les arbres avec la hache. Quoi? Ah, on peut couper les arbres ou pas? Ruine du temple du temps. Yes. Je me rappelle un peu quand même. C'est quoi ça? Ça a pas l'air sympa ça. Ça a pas l'air très cool. Il faut mon ocarina, c'est ça? J'ai pas l'ocarina. Yep, oui.
C'est bien là-bas que je dois aller. Ouais, c'est là. J'essaye de m'aligner avec la carte. Modifier balise. Ah, yes. Oh merde. Ah, on peut mettre plein de balises, ça tue. Ok. Cool. J'ai l'impression de jouer à Metal Gear Solid du coup. Ah, je pourrais prendre un tonneau et leur balancer dessus. Salut Blue, bienvenue. Lancer. Ah hein, ok. Ça a pas vraiment fait le l'effet voulu. D'accord. Ah lui ouais par contre. Putain de merde. Bon, il a défoncé son pote. Et il s'est tué aussi. D'accord, ok. Violent les mecs, hein. Bah c'est simple, l'aide, je dis pas non, mais après, du spoil, rien que pour faire chier, ban. Hein. Viande grillée, cuisson à la flamme rendue cette viande bien vue, ok cool. On peut faire cuire des choses ici? Oui, il faut que je mange, oui. Oh, je préfère les champignons, moi. Ouais, oui. Où est-ce qu'on va? Bon, on va faire la notre mission. Il y a un archer là-bas. On peut les backstab? Non. Oh yes, on peut! Putain, mais je déconne, hein. Ah, mais il est énorme ce jeu! Ah! Ah! Oh la vache. Il y a un truc qui me court derrière, je crois. Non? Ah, il y en a là-bas en fait. Bandelart, ok. 5 flèches. Équiper l'arc. Quoi? Ok. Le gameplay est bien. Le gameplay est cool. Le gameplay est vraiment cool. Non, j'ai déjà dit, ouais, sur la Wii, je suis pas sur celui. Ah! Pourquoi t'as un bouclier, moi non? Oh yes. Allez, relève-toi! Attaque sautée est le meilleur moyen de tuer les trucs apparemment.
censé faire quoi? Balancer des trucs? Ça aussi, ça va se casser, je présume. Cette épée est souvent utilisée en Hyrule pour se défendre contre les animaux sauvages. Peu solide, sa lame n'est pas très utile contre les monstres, malheureusement. Comment on protège? Non, pas la switch. Tout se casse. Ok, ça marche. Ah, on peut. Non, on peut attendre. Où est-ce que je vais là? Guidé par la tablette terminée. Ah. Où est-ce qu'on va du coup? Sanctuaire de la Renaissance. Non, c'est où on était. Ruine du temple de l'Est. Ruine du temple du temps. Plateau. Bois des esprits. Étang aux grenouilles. Rivière de l'au-delà. Ça a l'air super cool. Plateau du prélude. Mont Ilia. Ok. Ah, papy. Waouh, ok, on est allé super loin. Regarde dans cette direction, tu la vois, n'est-ce pas? L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. Oui. Elle s'est allumée au moment où la tour est sortie de terre. D'accord. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux ma parabole, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. Ouais, c'est vrai que sauver le monde, éviter que le monde parte en ruine et qu'un démon ravage toutes les contrées en voisine, et toi par la même occasion, c'est pas vraiment important. Allez, dépêche-toi d'aller chercher les trésors au sanctuaire illuminé. J'ai hâte de voir ça. Bon, bah, go. Wouh! Première aventure! On peut nager? Là. Ça consomme de l'endurance quand il neige. Et s'il n'y a plus d'endurance, il se noie. Oh merde, il y en a trop. Oh, il y a un trésor. Merde. Ah. Non, 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 non. Comment on fait? Comme ça, ok. Merde. Non, 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 appelle pas tes potes. Parfait. Frapper la cime d'une flèche dans la tête provoque un coup critique qui double les dégâts, ça marche. Il m'a pas vu. Il m'a tellement vu en fait. J'aime beaucoup le gameplay en tout cas. Ouais, il se noie. Ah, carrément. Ah, par contre, l'autre, il va me voir, non? Ah.
J'aime bien le... Oh là, calme-toi. J'aime bien le fait que ils peuvent jeter leurs armes, que les armes peuvent tomber et tout, c'est sympa ça. Cool. On va récupérer le coffre. Oh, c'est quoi tout ça? Épée de voyageur, suivant utiliser. Ok, là, c'est exactement la même que. Ah, super. Yeah! On a deux épées! Il y a le vent qui se lève. La cuisine. On fera ça après. Quand je sortirai. Ooh. Sanctuaire de Maonu. Le Maonu. Le livre espresso minerai de Dirul, une grande valeur marchande abriterait la puissance des flammes. Quoi ça? Tablette. Deux épées cassables, ouais, je sais. Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Oh wow, ok. Où est-ce qu'on va ? Oh mon Dieu, où est-on ? Toi qui as pénétré dans le sanctuaire, tu te mets à l'épreuve du nom de la déesse Ilia. Force magnétique, sanctuaire de Maonu. Ça a l'air glauque. Ah, ça pète! Est-ce que je peux le faire quand je suis dessus? Apparemment non. Apparemment non, ça marche pas. Je voulais me voler. Non, je peux pas. Est-ce que si je le fais tomber au-dessus de moi, ça m'écrase? Je peux pas le mettre au-dessus de moi, ça va. Quoique, là oui, on va pas le faire. Bon, ok, on a assez joué. Ah, ça tue, hein. Ah, c'est là qu'on change. Ah! Ah ouais, ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi?
Link? Ah, oh, c'est quoi ça? Ah! Wow. Putain, c'est quoi ce truc? On peut attaquer avec... Non. Ressort antique, ce ressort qui provient d'une machine antique est si léger qu'il flotte sur l'eau et si résistant qu'il ne rompt pas même lors d'une utilisation intense. Okay. Sympathique. Non. Faut que j'utilise le... la planche. Yeah, je fais mon premier puzzle. Comment on ouvre? On les arrache les portes. Ah, c'est fini. Ok. Ah, c'était rapide. D'où tu viens, toi? Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème du triomphe. Avant tout, permets-moi de te féliciter. Comment le sais-tu? Parce que j'y vois clair. Quand on vieillit, la vision se détériore souvent. Pourtant, certaines choses nous apparaissent plus clairement. Tu peux me dire ton nom? Sérieux. Ça dit, je ne sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde.